Quand les patientes arrivent pour avorter dans cette clinique du très conservateur État de l'Alabama, nous prions pour le pardon de Jésus. C'est caché derrière des parapluies et sous les suppliques des militants anti-avortement. Ne tuez pas votre bébé. Le Seigneur a de grands projets pour vous. Ne soyez pas des meurtriers. Choisissez la vie. Armés de leur foi, ces militants viennent tous les jours pour convaincre les femmes de ne pas avorter. Ne tuez pas votre enfant. C'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre, car le Seigneur l'interdit. À l'intérieur, face à une telle pression dès leur arrivée, certaines patientes craquent. D'avoir ces gens qui crient derrière la porte, c'est vraiment dur. Je ne veux pas être ici, mais pourtant je suis là. Donc avoir des gens qui vous crient dessus, ça n'aide pas à vous sentir mieux. Janet Lefkowitz, elle, est habituée à ses prières. Ils sont ici souvent, mais surtout les jours des opérations. La gynécologue fait le voyage tous les mois depuis l'État progressiste du Rhode Island, où elle exerce habituellement, pour venir prêter main forte à la petite clinique en manque de médecins. Dis-moi, j'ai combien de patientes aujourd'hui ? 25 ? Oui, 25. En Alabama, le délai d'avortement légal est limité à 22 semaines après les dernières règles. Avant de pouvoir avorter, les patientes sont obligées de faire une première consultation et ne peuvent revenir que 48 heures plus tard. Toutes ont souhaité garder l'anonymat. J'ai besoin de vous poser des questions qui vont vous sembler ridicules. Pourquoi est-ce que vous êtes là ? Je suis désolée, ça semble stupide, mais je dois légalement vous demander. Pour avoir un avortement ? Est-ce que c'est votre choix d'être ici ? Vous allez bien ? Je suis heureuse d'être là pour vous soutenir dans votre décision. Pour décourager les femmes d'avorter, l'État de l'Alabama, l'un des plus conservateurs du pays, les oblige également à faire une échographie. Ça, c'est votre utérus et voici la grossesse. Malgré la bienveillance de la gynécologue, le moment est toujours éprouvant. J'essaye de gérer mes émotions, mais ça me touche, forcément, beaucoup. C'est vraiment dur de devoir poser ces questions, suivre ce que la loi me demande. Finalement, c'est juste une barrière pour ralentir l'opération. Dans la salle d'attente, la plupart des patientes sont des mères de famille avec déjà deux ou trois enfants. Pour se rendre dans cette clinique, elles ont dû faire plusieurs heures de route car tous les centres aux alentours ont fermé. Cette patiente que nous avions rencontrée il y a quelques semaines s'inquiétait déjà de la décision de la Cour suprême sur le droit à l'avortement. Je serais tellement dévastée si je n'avais pas le droit d'avorter, parce que c'est un choix personnel. Je ne sais pas ce que je ferais. Je n'aurais pas de filet de sécurité. Ils essayent de nous enlever ce droit, et ce n'est pas juste. Pour Janet Lefkowitz, la journée touche à sa fin. Au moment de dire au revoir à ses collègues, elle sait que c'est peut-être la dernière fois qu'elle vient dans cette clinique. Je me sens triste, en colère. Je fais ce que je peux. C'est dur de savoir que c'est une possibilité. Avec la décision aujourd'hui de la Cour suprême, la petite clinique de l'Alabama devra probablement fermer. Ce seront alors des centaines de femmes qui ne pourront plus avorter en toute sécurité.